Pensez-vous qu'on va pouvoir sortir Bob du corps de Falbo et le réhydrater ensuite? C'est dans un délai raisonnable. La planète va être à notre hauteur dans 32 minutes. 32 minutes! Voulez-vous mourir tout de suite aujourd'hui ou ici? Ça peut attendre un autre jour? Ça peut attendre un peu. Je me suis... Vais venir une pizza. J'aimerais ça être là pour aller la chercher. Je vais aller la chercher. Là. Mirabella, cette planète est importante pour nous, mais ma priorité, c'est pas... Je veux leur voir vivant, compris. Il n'y en aura pas de problème, capitaine. Il n'y en aura pas. Réhydratation. Réhydratation. Balance! Je suppose que t'es au courant pour Bob. Inquiète-toi pas, je vais trouver un moyen. Ah, j'en doute fort. T'es la meilleure, après tout. D'ailleurs, je suis tombée par hasard sur ton curriculum vitae tantôt. C'est impressionnant. Et c'est écrit que t'avais découvert, non, inventé un vaccin contre la staliomyétique. C'est drôle, là, j'ai regardé dans le dictionnaire. Ça n'existe pas, ce maladie-là. C'est vrai! Mais comme ça, le jour où la maladie va sortir, ben le vaccin, il va être prêt. C'est écrit aussi que tu avais travaillé en même temps dans les hôpitaux de Bangkok et de Sao Paulo. Ah oui, oui, oui. Comment t'as fait ça? Ces deux hôpitaux-là sont même pas sur le même continent. Mais je voyageais en jet privé, franchement. Oh, c'est impossible. C'est durant la grande guerre du Chow Main en Chine. Aucun avion civil pouvait traverser le territoire. Ah oui, 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 je vois de quoi tu parles. Mais vois-tu, Valence, le jet, là, il était dans un bateau. Parce que moi, j'ai le mal de mer, hein? Alors, étant assise dans un jet qui lui-même était dans un bateau, ben, j'étais pas correcte! Mais c'est pas écrit pourquoi non plus dans ton curriculum vitae tu caches du matériel de survie sur le vaisseau. Et d'après ton plan, le matériel est caché... De la corde fouillée dans mes affaires! Oui, puis j'ai bien fait! D'après ce que je comprends, une fois qu'on a trouvé la planète, toi tu pousses! Qu'est-ce que tu fuis? La police! La tête à quoi? La police! Les flics, les bœufs, les cochons, les boulets! Appelle-les comme tu voudras! Je suis recherché par tous les corps policiers de la Fédération pour fraude, faux papiers, transactions illégales, puis détournement de fonds, capiche! Ok! C'est pour ça que tu t'es embarqué sur le vaisseau! C'est pour ça que tu veux pas qu'on trouve la planète! Parce que tu veux pas avoir la police au cul! Écoute, Mirabella, t'es pas la seule médecin à avoir des activités criminelles, hein? J'espère juste que ça t'empêchera pas de sauver Bob! Je me disais que ça se pouvait pas! Allez, bien que je trouve une façon de m'embarquer dans le vaisseau. Je me suis fait passer pour un médecin. Faux diplôme, fausse référence, puis... Vol du questionnaire d'évaluation. Puis ton cru! Je te l'ai dit, Valence, je suis une excellente bluffeuse. Puis tu vas me dénoncer? Mirabella, Falbo a envie d'uriner. Mais je lui ai dit de se retenir, là, tout d'un coup, que ça affecte pas, mais qu'est-ce... Valence, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute blanche. C'est parce que Mirabella vient de m'apprendre que... qu'il était sur le point de trouver une façon de sauver Bob. Et ça m'a eu. Oh, c'est vrai! Donnez-moi quelques minutes, là, mais je vais tout vous arranger ça! Parfait! Je vous laisse travailler, je vais attendre dans le corridor. Oh, ça, c'est incroyable, moi, je me fais dire quand même. Merci, Valence. Pourquoi tu m'as pas dénoncé? Parce que si le reste de l'équipage apprend qu'il n'y a pas de médecin à bord, on est fait! C'est la panique! Toi, là, t'es pas médecin, mais arrange-toi pour le devenir! Tiens!